Salut à tous, et c'est Flo de RMS qui va vous présenter un ensemble de scripts trouvables sur le web très utile. Cet ensemble de scripts vous permettra de réaliser un jeu de cartes sur VX. Oui, mais pas comme dans Yu-Gi-Oh, il n'y a pas 40 cartes, il n'y en aura que 3. Mais l'aspect stratégique est quand même important. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble le projet par défaut. J'ai rajouté quelques événements, quelques cartes, etc. Nous allons les voir ensemble. L'équilibre des cartes n'est pas applicable ici, n'est pas appliqué ici. Mais bon, j'ai quand même un peu essayé. Consultez les scripts et les commentaires ici pour comprendre comment ça fonctionne. You have to make your own card sprites. Vous devrez faire vos propres cartes. Petite contrainte, mais bon, rien de grave. Tomoaki, c'est l'auteur du script. Des scripts même plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, je vais affronter les 6 filles qui sont là. C'est des événements que j'ai insérés pour montrer à quoi ressemblent toutes mes cartes. En parlant de cartes, les voici. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous allons prendre 3 cartes parmi les 18. Donc, on va commencer stratégique. J'ai une idée. Hélène, qui, à la fin de chaque... Non, j'ai fait une erreur sur la description. C'est quand la carte est détruite, l'adversaire perd 2 PJ. Parce qu'à la fin de chaque tour, ça ferait beaucoup, hein. On va prendre... Si l'adversaire est de type A, dégâts plus 2. Ok, let's go. Prêt pour un duel, avortons. Et c'est parti, Ralph joue en premier. Tour numéro 1. Elle est vraiment faible ma carte avec 9-2. Par contre, il y a une petite subtilité maintenant. Décret royal, l'aptitude. Chaque carte possède une aptitude. La deuxième carte de chaque duel héritera de l'aptitude de la première. Et la troisième carte héritera de l'aptitude des deux précédentes en plus de son aptitude. 2 PJ en moins pour l'adversaire. Les PJ correspondent un peu à la force d'attaque de la carte. Annulation. Ajoute... Ah, j'ai fait encore une erreur dans la description. C'est pas doublé, c'est plus 6. Par contre, je ne peux plus utiliser riposte A. On est plus vite, parce qu'on aura encore le temps. Décret royal. 2 PJ en moins. Et d'une. Dans ma pauvre Greka, elle va se faire lâcher la pauvre. Force ajoutée, rajoute 1 PJ au lanceur. Concentration, donne le maximum de PJ. Copycat. Force ajoutée. Et là, ça va faire souffrir. On va écouter la petite musique de défaite. Ah non, décret royal. Enfin, ça sert à quoi? J'ai perdu en fait. Fin du duel, perdu face à Yvonne. Déjà une défaite sur les 6. Deuxième combat. Si tu perds, tu m'embrasseras sur la joue. Je n'ai pas fait d'explication. Allons à gauche, là, nous avons le type de carte. D pour défense, A pour attaque, T pour technique, et S aussi pour spécial. J'en ai pas encore mis pour l'instant. Dans l'étoile, le niveau de la carte, 1, 2, et pas de niveau 3 pour l'instant. En noir, c'était les PV, mais je suppose que vous l'avez déjà remarqué. En rouge, les PJ, nous l'avons déjà remarqué aussi. En rouge, aptitude, la devise qui ne sert à rien. Décret royal, quand vaincu, réduit les PJ de l'adversaire de 2.
Pas touche à ma barbichette. L'amitié gagnera la bataille. Et je rajouterai, vois ce monde nouveau, je te suivrai où tu ailles. Ça vous dit quelque chose, ça? Un opening de Pokémon en français, ça. C'est ça, en fait. Riposte A. 2 points de dégâts en plus si l'adversaire est type A. Vaincu. Rivalité. Quoi, je dis rivalité, moi? Décret royal, j'ai vu. Force 2, ténacité, 2 PG en plus, 2 PG en plus. 10, surpuissance, aïe, décret royal, à quoi ça sert? J'ai perdu encore. Troisième, je suis trop forte, tu n'auras aucune chance. Musique Pokémon, bonjour la cohérence. Décret royal. Et bouclier magique réduit les PJ du lanceur de 1 à chaque fois. Bonus type D est efficace sur A. Nathalie, la plus puissante de mes cartes pour l'instant. 17 PV avec combo griffe qui inflige. Et qui fait attaquer 3 fois la carte, plus 4 une fois avec le coup normal, ce qui fait 4 fois. S'il y a 8 PG, je n'imagine pas les dégâts, ça fait 32. Combo griffe. Moins 1, t'es pas à 0, t'as à moins 1, donc t'es mort. Bien sûr. Les noms de cartes, je les ai inventés. C'est pas inspiré de personnes réelles. Concentration, ping ping ping. Vais-je gagner? Peut-être pas. Eh non, il reste moins un. Raté. Allez hop, on change de carte parce que c'est pourri. Et 9 PV, c'est pas admissible. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Quatrième dueliste. Je suis trop forte. Tu n'auras aucune chance. Elle radote comme sa copine. Musique Pokémon. Encore. Et c'est la musique qui est le mieux pour ce genre de combat en fait. Il va trop mal. J'avais fait une fois, il va trop vite, mais dans un autre projet. Il y a bien longtemps. Maintenant, il va trop mal. Et petit jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Laurence d'Italie au lieu de Laurence d'Arabie. Force miroir. Double les dégâts renvoyés. Double deux fois PG. PG en fait. Ah, Vera, elle fait mal. Avec concentration. Surpuissance aussi, ça fait mal ça. Dégâts doubles, PJ moins 1. Bonus type. Concentration. Ah bah tiens. Et hop. La vie a un début et une fin. Le reste, c'est ce que vous en faites. Il y a un petit peu plus de plagiat là. Pitié. Concentration. Et hop, décret royal. Et ben j'ai gagné. Cinquième dueliste. Je suis trop forte. Tu n'auras aucune chance. On dirait une machine. Ils me disent tous les mêmes choses. Mario Kart maintenant. Force miroir. Affaiblissement. Ça j'aime bien comme carte aussi. Comme absolu. 4 dégâts, pas de 4 PV en moins pour chaque carte.
Et d'une, blocage D. Si l'adversaire est de type D, ça l'empêchera parfois d'attaquer. Une condition, mais je ne sais plus laquelle. Mais comme je n'ai pas de D, ça ne servira à rien. Donc une carte avec 10 PV et 2 PJ, ça ne sert à rien. À part l'avantage de type. Ping. Oh. Surpuissance. Et hop, affaiblissement. Force miroir, 8. Et encore gagné. Dernière dueliste. Je suis trop forte. Tu n'auras aucune chance. Et c'est parti. Judith joue en premier. Riposte A. Si l'adversaire est de type A, la puissance de l'attaque augmente de 2. Or ce miroir envoie 2 fois les PJ. Ça va faire mal. Boum, 0. Force miroir, il poste A. Ça fait 8. Surpuissance. 4. Je me vois que c'est surpuissant. Riposte A. 5. 1. Riposte A. 5. À mon avis, ça va avoir une fin tragique, je le sens. Ou peut-être pas. J'ai peu de chances de survivre. Et les PV perdus sont très rarement récupérés. Hein. Ténacité, plus 2. Bonus type. Eh bah, ben, la pauvre Vera, elle peut se faire enterrer, tiens. Même encore plus. Ping, 16 dans les dents. Raté encore. Et bah, c'est sous cette note que s'achève cette vidéo. Je vous ai montré un ensemble de scripts très sympathiques. Par contre, j'ai pas fait de mon mieux sur ça. 4 défaites, 2 victoires. On peut dire que c'était une vidéo piteuse. La preuve que la stratégie est très importante dans ce genre de projet. Merci. À bientôt.